I mean, I don't think they think a lot of things because most of the time you unload them. I have to skip things and I'm facing the door again. Why is that? Worse than your room? Wasted doctor's time! I deserve my bitter tears. Want some? 10 years in the loony bin. No, Ma, no relations. She's an orphan. Doctor's pet. Another day, a different dream, perhaps. Maybe I should try the safest way. I mean, I know I can do that. That skip. It's just sometimes I just mess up for no reason. What happened? Yeah, it's because I failed the skip, and I felt like I was started to get tilted because of it. So I just decided to restart, go from a fresh start. Honestly, I could have continued, but I felt like I was already starting to tilt. And I could get a better skip of tier, so. Maybe I'll do just a safe strat for now. I haven't really tried it, but. It's not like it's a complicated strat. Don't get stuck on the walls, please. Oh wow, I missed one jump, but that should be alright. Yeah, okay, I'm out. Oh no, come on, don't do that again, please. It was alright! Why? She started going up and then. I don't know, the wall pushed me. I just want to get that one right away. See, and now I'm facing the right direction. That's very weird. Worse than your room? I deserve my bitter tears. Want some? 10 years in the loony bin. No, Ma, no relations. She's an orphan. Doctor's pet. Another day, a different dream, perhaps. Yeah, you found it. And it's a very old skip, also. But finding skip in this game is. I won't say easy, but you have something that helps you a lot, which is the debug mod. Basically, you can display hitboxes and triggers, death triggers, and stuff like that.
and you can also no clip and fly, so it's pretty good. It helps a lot to have such stuff. Seems following fiery creatures and so yeah, has become a habit. I hope it's not a vice. But yeah, the guy that found it is pretty good. What's impressive also is how the game is bugged. Like, this game is so broken in every chapter. You can do huge skips. Can you please not get stuck, please? You can do huge skips, and that's what makes the game really fun to play, but also really frustrating because they are very precise, and you can die on a lot of stuff. It's not like the skips are very easy, you know, just by seeing it once you're like, oh okay, I've got everything. Sometimes you must know that the camera must be on a certain angle, that sometimes you have to move in a certain way. It's a lot of stuff. If you did this run, I'd pay to see that. Yeah, but I'd still pay to see that. Okay, on this part I'm getting more and more consistent. That's very nice. Oh no, come on, not again, please. Okay, keep going like that. Okay, it was not one straight way up to the top, but see, faster than last time. And if I can get it in one go, it's even better. But sometimes, as you see, the wall just pushes you back. And you have to play with the camera to be able to unload the thing and to get back into it. And that's not very easy to do. To be really honest, it's a little bit of luck, I think, that I got it. Okay, I'm still here. There is something that I'm doing wrong, but it's alright. Because I'm gonna gain a lot of time actually here. Oh my god, please, what the hell? I'm stuck in that thing. See, I got 524. So when I said that if I can do everything in one go, I'd be at 520. Actually, I think I can go even to 510. If I can get the last jump. But I'm probably looking and going into the bad direction. I should rewatch how it's done. The Hatter's Domain,
almost as I remember it. Appearances, as you know better than most, can be deceiving, Alice. Much has changed since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same. Find the Hatter, Alice. He knows more about different than you. But does he know more about the difference between bad and good? Making friends, Alice. You're as randomly lethal and entirely confused as you ever were. I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovel's home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice, it's when. Now hold on, and as they say, shut up. So typical. Shut up. Oh, whoa, that was weird. Oh, what? Did you really try to attack me? Did you really not aggro the decoy? What's going on? I don't like this run. Weird stuff is happening. Okay, so let's just concentrate for a bit and get the skip right this time. They learn, yeah. They adapt. Soon enough they will follow me in glitches. Okay, that's good. Okay, here we go. See? It wasn't that hard. I should be... Oh, maybe I'm too low? No, I'm good. Hello, big guy. Please hit him. Yeah, there is the invisible one here. Okay, I got him. And I said, okay, I got it, and Google just reacted to that. Opening what? Wait, my phone is alive. Wait, what? It's... What the fuck? So I said, okay, I got that, and my phone decided to say, okay, opening Pokemon Go. Not Pokemon Go, Pokemon Home. Like, what? Are you okay, Google? No, I did not mean to trigger you. Oh, come on, just climb that. There we go. That was weird. Please.
gained a lot of time here. Confident with the jump yet, so I'm just gonna do the safe way. Bad worker. Bad workers are slaves. Nice. I got that pretty quickly. The serial cat has 9 lives, Alex. I hope you have as many. Oh, come on. This door is so random, I swear. Sometimes I can get on it instantly and sometimes I just gonna mess around. Mobility will make a nice change. Expect no thanks until I'm completely reconstructed. No resting on laurels, chiffoniers, chaise lounges, mean folding chairs, little stone stools. Yeah, that's a bit of time. Weird. Oh, come on, really? Can't you just climb already? There we go.
Okay. I thought I was a little too low. Just standing on the edge. Oh no! Oh wow, I fell. That was unfortunate. What am I doing? I'm going way too far. And I could not get the extra jump. But I mean, it's okay, I always lose time on this part. Oof, that was a little early. Okay, that's nice. Still a huge chunk of time gained. Okay, let's try this skip. I'm not yet completely consistent with it, but I think I can do pretty good. Got it first try. Gonna go safe land here and then go up there. And we are good. Gained 1 minute and 54 seconds. The white cat reminds me of my Snowdrop. Nanny knew her. I'm getting better and better at chapter 1. If only I could say the same for chapter 3. GG. Oh, don't call the GG yet. Because on my last run I lost all my time on stupidities. But at least I'm going to finish this run. Now that it's going past chapter 1. We will see. Yeah, we will see. Well, as I'm saying in the title of the stream, I'm trying to not be greedy. And that's because that's one of the problems that I have. A little greedy. I wanna do the, you know, the hard stuff. Even though I'm not yet completely consistent with the whole run. Come on, what? Hello? What the hell happened? What? I stuck myself on the wall. Ah.
That shouldn't happen. Well, I did not restart. Oh my god, what am I doing? I was already at the end of the platform. Okay, take a deep breath. And stop messing around. Okay, round two. No, it's not the same. Ohio. Hey, Darskolette. Or should I say, bonjour, Darskolette. Non, mais je vais me tuer, en fait. Pourquoi elle a pas voulu sauter? Ah! Oh wow. C'est sûr que t'étais francophone. Et oui. Mais c'est écrit Allemagne. Quoi? C'est pas normal ça. ok, faudrait que j'aille voir ça. Normalement, il est marqué Belgique. Oh là là. Ah ça va. Moi aussi je suis un peu nul en drapeau. Nul en jeu tout court de toute façon. Je viens de voir mon timer passer en rouge. Je suis vraiment aux anges. Comme la communauté, oui, ou comme la robe d'Alice. Ou alors tu es en train d'essayer de dire que le communisme c'est mauvais, étant donné que pour l'instant avoir des rouges sur mon timer c'est pas trop bon. Ah, j'ai envie de me retenir. D'hurler. Alors comment ça se passe? Chapitre 1, incroyable, gagné pratiquement 2 minutes. Depuis le chapitre 2, catastrophique. Voilà comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe pour l'instant sur mes runs. Je fais un chapitre exceptionnel et puis... Et puis c'est la catastrophe, hein, on va dire. Faut se dire que mon PB actuel, c'est un roller coaster où j'ai gagné 2 minutes, puis perdu 3 minutes, puis gagné 4 minutes, puis perdu 2 minutes, puis gagné 4 minutes, pour en reperdre 4 et pour enfin en gagner une à la toute fin sur le boss de fin. Donc bon. C'est normal ça, bah ouais, c'est le début des runs, je suis pas encore complètement à l'aise avec l'entièreté du jeu. Le problème c'est aussi que j'essaye d'être trop greedy, j'essaye de faire des strats qui me demanderaient plus de maîtrise.
peux juste être un petit peu plus safe sur ce que je fais. Est-ce que je peux passer à travers le mur? Merci. Prends du temps pour maîtriser les sauts. Ouais. Ouais, bizarrement les sauts ça va. Il y avait des problèmes avant avec le quatrième jump. Mais depuis qu'on peut utiliser un deuxième device, ça aide pas mal. Ce qui est surtout très compliqué pour moi, c'est encore le placement de ma caméra. Ou souris. Alors moi je joue clavier souris principalement. Et puis après bah j'ai ma manette pour aider au quatrième jump. D'accord, allez stoppez. Mais vraiment? Faut mettre des lunettes monsieur. Merci. Vraiment, c'est vrai que les cartes, j'en parle pas souvent, mais ouais. Quoi, ils passent à côté de toi en mode... Faut apprendre à viser, hein, les gens. Vraiment des stormtroopers, ces gens. Ah oui, ça. Ouf. Ah, c'est, j'ai vu la marque de celle-là. Hein. Je crois que je suis pas assez haut en plus. Non, c'est bon. Pff, voilà, typiquement. Typiquement, mes runs se passent comme ça en gros. Je dois skip la scène tout d'abord. Du mal sur certains glitchs. Ouais, sur certains oui. Après en général du coup ceux sur lequel j'ai le plus de mal je ne les fais pas. Jusqu'à il y a pas longtemps j'avais quelques problèmes avec le skip, le tout dernier du Hatter's Domain. Mais Zephyr a pu me l'expliquer un peu plus compréhensiblement. Du coup maintenant j'y arrive. Sinon il y a le nouveau glitch, comment il s'appelle, le coral skip je crois. Là où il y a la bouteille poisson. Celui-là je suis pas encore hyper chaud pour le réussir. Et
coup, quel autre glitch est compliqué pour moi? Ah oui, le teapot skip est infaisable pour moi. Le teapot skip, vraiment, il est compliqué. Ouais, c'est. D'après ce que j'ai compris, le placement de la caméra est super important et tout ça. Le teapot skip, j'y arrive pas du tout. Et le skip dans le chapitre de la reine de cœur. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas, parfois j'y arrive à moitié. Ça dépend. C'est un peu. Petit bonheur, la chance. Oui, j'ai déjà le debug mode. Oui, c'est vrai que c'est toi qui l'as trouvé. Ouais, ça aide beaucoup. Problème que j'ai principalement. Est-ce que je peux péter la bonne bouteille, s'il vous plaît? Problème que j'ai principalement avec le teapot skip, c'est que j'arrive pas à me mettre complètement. Complètement sur la barrière, en fait. C'est surtout ça le problème. Parce que j'ai déjà essayé en me faisant voler, en me mettant directement sur la barrière, et là oui, y a plus aucun problème. C'est vraiment la partie que j'arrive pas. Et pour la reine de cœur, c'est quand je dois re-rentrer dans la tourelle, là. Enfin, dans la tour. Quand on est dans une, et puis on doit faire despawn l'autre pour re-rentrer dedans, ça c'est compliqué. Ça dépend du skill et de la chance pour réussir un clip. Ouais, surtout beaucoup le skill. La chance, c'est... La chance, elle aide, mais elle fait pas tout. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de skip à part le skip of tears. Qui, pour moi, est de la magie noire. Quand on doit faire le long jump après... Après le Paper Grinder. Pour moi, c'est de la magie noire si j'y arrive ou pas. Mais les autres, ça va, je commence à être plutôt constant avec. Bon, tapez-moi avec. Pas mal de points de vie. Ouais, il y avait autant qui spawnaient. Ah bah c'est ça le... Oula ! D'animation, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le principal attrait pour moi d'un speedrun, c'est de redécouvrir un jeu que j'aimais bien. J'ai pas beaucoup de points de vie là. Oui, quitter le mini-jeu. En vrai, il y a plein de jeux qui sont juste bons niveau speedrun, quoi, qu'on peut apprendre uniquement pour le speedrun. Il y en a quelques-uns que je run en casu comme ça pour le fun, pour le lols comme disent les gens. Quand il recule comme ça là, s'il vous plaît. Genre le premier Mario Bros. Ouais, mais ça c'est... Ça c'est le speedrun... Le speedrun où maintenant il compte à la micro-milliseconde pour savoir qui est devant qui. Non, il y a quelques jeux qui peuvent être sympas.
qui sont sympas et pas trop durs. Genre l'autre jeu que je run, Bendy and the Ink Machine, il est pas si dur que ça en soi. Mais il reste sympathique. Come on, hit me. Ok, on a suffisamment de points de vie. Par là. Sinon ouais, pour en revenir au skip que je trouve compliqué, je crois que c'est tout. Maintenant j'arrive plutôt bien à faire le 666 et l'autre dont je ne me souviens jamais du nom. Allez les gars, allez les filles, merci. Ça c'est cool de réussir plutôt bien des glitches comme ça. Je vais récolter la vie, je sais pas si ça va me servir exactement, mais better safe than sorry. Si j'avais besoin de vie, il y avait la plante là. Mais de souvenir, je pense pas avoir besoin de vie. Le seul combat qui va arriver, c'est contre le Drowned Sailor. Et je pense pas que j'ai besoin de passer en hystérie pour le battre. Let us resume our place before our adoring fans. Ce timer est incroyable. Oh yes. Je suis allé la voir directement. Nice. C'est OB. Ah mais je sais en fait. Je connais pas mal de vieilles strats. En vrai, ça peut paraître bizarre, mais ça fait assez longtemps que je suis la communauté du speedrun de Alice Madness Return. Je crois qu'il y avait, quand j'ai commencé à suivre, il y avait peut-être 5 personnes sur le leaderboard, peut-être moins. Ouais, bah ça peut paraître bête, mais la première fois que j'ai vu une run, c'était, il me semble en tout cas, c'était toi qui étais sur la JVTV et qui faisait des runs. Maintenant il y en a une vingtaine. Ouais c'est ça, maintenant il y a pas mal de monde. Sur speedrun.com, on peut voir pas mal de personnes.
perhaps I'm fated to expire right here. Je veux qu'il lag un peu. Avec les Mickey trop creepy. Oui. Oui, c'est Bendy and the Ink Machine. De temps à autre, je le run. Pour l'instant, je suis plutôt focus sur Madness Return. Ok, ça, j'ai eu peur quand le jeu a commencé à laguer, mais visiblement tout va bien. Pas beaucoup de points de vie. Ah, si tu le fais honnêtement, respect. Hein. Oui, je peux pas détruire ça, faut que je monte dessus. Ok, maintenant par contre si aucun mob ne me donne de vie, voilà c'est bon. C'était un défi, j'ai fait pire chez Nathan. C'est très good cette fight. Pire chienote. Ils te laisseront plus jamais y retourner, mais. Moi je te propose des solutions, à toi de voir si tu les acceptes. Un peu de vie par contre ici. Je sens très bien une fois speedrun dans des Metal Slug, mais tellement la peine. Ouais, c'est à peu près ce qui m'arrivait avec Alice. C'est à dire que je connaissais plutôt bien généralement la run, mais il y a un cœur. Mais je me disais, oh non, je l'ai fait. C'est compliqué. Look what's become of my beautiful valley. All things change in the fullness of time. Often not for better. Allez. Vas-y, Jackie, tape-moi. Non, s'il te plaît. Merci. Ok, qui meurt en premier? Toi. Vise-le, s'il te plaît. Vise-le, s'il te plaît. C'est vraiment bien ce jeu qui lag. Hein. J'espère que le prochain livre n'aura pas des lags comme ça, mais toujours des glitches bien craqués. Bien tous mourir. Il y a un prochain jeu Alice qui va sortir. Pour l'instant, oui. Hein.
bah de l'espoir. Bah ils ont quand même un Patreon de lancer, etc. Donc et ils sont en train de faire des concept art. Ouf. Plus compliqué que ça, oui, certes. Mais moi j'ai de l'espoir, il y a moyen, il y a une certaine commune derrière. Vous voyez qu'ils veulent pas faire de 3. Mais ils avaient dit, il me semble, ils avaient dit à American McGuy que s'ils voulaient, qu'ils avaient le financement par eux-mêmes, il y avait moyen, il me semble. Moi je pense qu'il y a moyen. Bah, il me semble que si. Faudrait que je revoie ça. Parce qu'il me semble, que j'avais. Ouais, j'avais lu ça aussi. C'était un truc du genre. En plus, c'était assez drôle parce que c'était sur Steam. Il y avait les news. Et c'était American McGuy qui disait ouais, arrêtez de me demander pour un 3. Parce que c'est pas moi qui ai les droits, c'est EA. Donc c'est à eux qu'il faut demander. Et genre, peut-être une semaine plus tard, ils annonçaient que EA leur avait dit ok, mais vous faites le jeu par vous-même, quoi. Le financement, vous trouvez le moyen, etc. Puisqu'il y a un Patreon, etc., ils sortent des goodies et plein d'autres trucs. Je viens de gagner 6 minutes là sur la run. Faudrait que je retrouve les trucs, mais ils font plein de lives, ils ont des concept art. Je pense pas qu'ils ont commencé à faire le jeu, mais ils ont du truc, ils ont de la base derrière. Ouf, c'est juste sur le bord, ça. Ce que j'attends, c'est le prochain Etrian Odyssey sur Switch. J'ai énormément d'espoir, oui. Je connais pas le jeu, donc je ne saurais pas dire. On sait même un peu plus sur le scénario. Ouais, enfin, de souvenir, ça va se passer entre le 1 et le 2, du coup. Une préquelle. Oh mince, j'ai raté ça. Ça va se passer quand Alice est coincée dans l'asile, il me semble. Il y a plein de concept art. Ils ont montré des robes, etc., qu'ils pouvaient faire. Robe de chevalier, robe à moitié cramée, des trucs comme ça. Ils ont pas mal de contenu. Je pense pas qu'ils feraient autant de. Qu'ils sortiraient autant de trucs si c'était vraiment mort dans l'œuf, quoi. Même une page Facebook. Ouais, bah ils ont un Patreon et tout. Ah, j'ai pas eu le truc. Ah, si, peut-être. Je sais pas si je l'ai entendu ou pas. Ah, le timing! Ah, mon timing est vraiment dégueulasse, hein. Bon, et toi, tu veux bien crever un jour? Bon, on va y aller avec le cheval, hein. Qui veut créer une hype autour du jeu pour qu'il y a 18. Ouais, mais bon. En vrai, ça peut. Si c'est ça, ça peut marcher. Enfin, faudrait revoir les infos. Des sous-montres. Ouais, bah c'est ça. Mais je pense qu'il y a moyen. Hein. Oula. Gros lag. Je suis où? Oui, ici. C'était pas juste pour des shorts, ça, Alice in Otherland? Ou alors il y avait plus? Mais pourquoi je peux y arriver, oui? Au début, non? Ah, peut-être, ouais. Ok.
Concentration extrême pendant 2 secondes. Parce que là, c'est quand même incroyable ce qui arrive. Mais... Ça devait même être un MMO. Ah ouais? Non, ça par contre, ça aurait jamais marché si ça devait vraiment... Si c'est le cas, il y avait aucune chance. Ah bah voilà, putain. Quand même. Oh, j'ai pas touché le Death Warp. Vraiment? Ça m'est jamais arrivé de le rater. C'est vrai. Bah ouais. Alors Dark Squelette, je sais pas si t'as une une manière de passer ça. Un secret de fabrication quoi. Parce que là il me semble que je suis softlock hein. Recharger. Bah c'est quand je recharge j'arrive là. Ou alors tu veux dire recharger l'entièreté de la run? Depuis le menu principal. On peut faire ça? C'est autorisé dans la run? Mais tu vas revenir de très loin. C'est à quel niveau qu'on restart déjà dans Oriental Groove. Ah oui, c'est celui-là. Ah ouais, la vache. Ah oui, c'est de là qu'on restart. Parce que Scroll of Happy Times, c'est trop loin. Et là, je vois mes 6 minutes d'avance qui sont en train de partir en fumée pendant que je rate ce jump. J'avais oublié que si on rate le skip... Oh, allez, mais sérieusement... Quelle indignité, si je peux même pas réussir ce skip hyper simple. C'est même pas un skip, en soi, c'est juste un jump. Non, ça, ça ne le fera pas. Voilà. En soi, est-ce que je vais perdre tant de temps que ça? Oui, la réponse est oui. Mais... Est-ce qu'il y a quand même pas moyen de revenir par derrière? Parce que des autres chapitres et surtout le reste de cette run, j'ai perdu pas mal de temps au final. Bon. Ah, je crois que je l'ai eu cette fois. Mourir un jour. Ah non, je l'ai pas eu. Ok, bah je sais pas c'était quoi le bruit que j'ai entendu. Ok. Si je peux viser correctement. Mes belles 6 minutes qui s'envolent.
musique qui me vient en tête là tout d'un coup. C'est vraiment dommage que je l'ai pas en soundboard pour pouvoir la mettre. Hein. C'est une musique qui va comme ça. Parce que c'est comme ça que je sens actuellement ma prestation, on va dire. Je crois qu'il faut que je sois un peu plus haut. Et là, j'étais pas assez haut par contre. C'est pas grave. On continue. Non, ne tombe pas. Malheureusement, devoir jouer avec des cubes, mais au moins la run continue. Hein. S'il te plaît, ne me touche pas, surtout pas pendant les cinématiques. Merci beaucoup. Minecraft, le jeu, il est exactement. Minecraft, mais un peu bizarre. On va remettre un petit leurre parce que je sens que notre ami Jean-Guillaume va venir nous suivre. Vraiment compliqué hein, les mini-jeux de ce jeu. Voilà, donc maintenant on fait comme si j'avais parfaitement réussi le skip hein, et que je ne me prenais pas tous les murs invisibles de l'histoire. Donc, ah là là, oh tiens, c'est dingue, comment ça se fait que je perds du temps? Regard this depiction of domestic harmony and order. The fruitful landscape encouraged industry, tolerance and cooperation. Loving families flourished, happy children, dear friends, grateful for their well-being, lived for generations, secure, active, and free. But a sudden onslaught of alien attacks broke their fragile bodies and nearly crushed their generous spirits. Lui, j'ai pas confiance. On va attendre que celui-là aussi passe. Je perds du temps, mais on a dit qu'on doit jouer safe. Hein. Pour l'instant, techniquement, j'ai pas perdu du temps parce que je jouais pas safe. Hein. J'ai perdu du temps parce que je joue comme un débile. C'est pas pareil. Allez, debout. Et on est officiellement... Attention, on y est presque. Voilà, ça y est, on perd du temps, encore. C'est bon. Moi, je suis ému par tant de nullité, quoi. Bon, le chapitre 3 est visiblement mon némésis. Hein. Faudrait peut-être que je fasse quelques runs simplement de ce chapitre-là. Histoire d'être vraiment sûr de tout ce qu'il faut faire. Sauf que tu ne le sais pas. Oh mais toi c'est juste que tu l'avais trouvé dur. En soi ce chapitre est pas si difficile, contextuellement parlant. Mais le problème c'est que la plupart du temps, si tu meurs, ou si tu tombes dans le vide, que tu restartes ou quoi que ce soit, le jeu te regarde et te fait bah désolé bro.
Mais tu vas retourner 100 ans en arrière. Hein. Je suis en ange, je l'aime bien. Enfin, un peu moins actuellement, mais je l'aime bien, globalement. Allez, hop. Ouf. Que je l'ai. Non. Vraiment pas doué pour celui-là. Alors pas doué, j'entends que je n'y arrive pas du tout. Non. Il me faut tous mes jumps si possible. Merci beaucoup. Ça c'était incroyable. C'est vrai que j'ai oublié de remettre ma musique, moi. Parce que vous avez les ambiances du jeu, mais moi j'ai ma musique dans mes oreilles. Est-ce que vous voulez bien comment dire mourir un jour? Mais c'est incroyable d'être aussi borné, quoi. Maintenant, j'ai pas beaucoup de vie. Ah, ça va probablement me porter préjudice, tout ça. Oh, great caterpillars. Get to the tree, Alice. Help our brothers. Ouf, je crois que j'étais trop tard pour Shrink, mais tout va bien. Non. Allez, s'il te plaît.
Maintenant, le plus dur, ne surtout, surtout pas mourir. Et bon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Surtout si je fais n'importe quoi. J'aurais pas beaucoup de vitesse là, si. Je pense pas. Non, je vais prendre le cœur qui est là. Je me connais, je ne me fais pas confiance. Pour ajouter des conditions pour mon cosplay. Bah, c'est-à-dire que c'est toi qui fais les règles, donc. C'est toi qui t'es décidé de te mettre ce défi, je ne sais pas, donc vas-y. Rajoute tout ce que tu veux. Son défi, c'est que si je ne restart pas, donc si je vais finir cette run, il fait un cosplay d'Alice. Personnellement, je n'y crois pas du tout, hein. Non, j'ai déjà restart deux fois. C'est pas vraiment des restarts, hein. Ou alors tu parles des deux premiers restarts que j'ai fait en tout début de stream. Allez. Allez, allez, incroyable. Quelle récupération, on n'a jamais vu ça. Quel jeu incroyable. Hitbox toutes cramées, plus cramées les unes que les autres. Calme-toi. Non. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, je l'ai vu. Kill him. Yes. A bridge will complete the path, but this substance has blocked the way. Help us to remove it. Thank you.
take some health back. Okay, that was the fastest I've ever killed them. That's pretty nice. The belligerents, without true cause or purpose, abused and murdered their Pacific victims, whom they hated for being different. The invaders corrupted the vivid world. The assaulted could not comprehend the masses' brutality. Still, they stayed on, trying to repeat their oppressors and recover their past. The cruel interlopers attacked at intervals instead of killing them all at once. The wretched survivors suffered in perpetual fear. Is there a worse fate? Hey, I gained 58 seconds, that's nice. Now watch me lose everything.
little short on health. Okay. 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 It's not enough that they abuse and murder us. They let their spawn feed on our rotting corpses. I need a little bit. Oh, do I need? No, I don't think I need to. If I get hit by a low attack from the wasps, I think I'm good. If of course there are... Yes! Exactly. Wait, let me target the big one. I should have targeted it earlier. Do you still have some heads? Yes, he does. Oh, what? So. Oh. And now I think I have more than enough for the big fight incoming. Hello. Okay, okay. No, not this guy. Oh. Come on. Don't target this guy. Come on. Target the other one. Now we are. That fight was much faster than the last time. A restless seeker on private business arrived in the misery-infested land. She, despite ignorance, uncertainty, and unhappiness in her own life, could not endure to see them suffering. She began to fight against the savage murderers, abusers, and defilers without quite knowing why or for whose sake she truly fought or how the struggle would end.
Ouch, ouch. Ok. Did not expect not to take that. No, I thought. Yeah, it's okay. Yes. Now look at that. Can you imagine? Can you even begin to imagine how far I would be ahead if I didn't mess up terribly on one out of bounds? Hey, I didn't lose time. What loss of time? What are you talking about? I gained 2 seconds. Now let us have a smooth Queensland chapter. Ouch. Oh wow, that was scary. Three seconds gained. Pog champ. Kakudori, like the Japanese would say, all according to the cake. Didn't soil my pants there, I promise.
now it is time. Try this one. I should be alright. Okay, that's here that I'm not very sure. I know you're supposed to make it unload, but yeah, it's all right. C'est à gauche la caméra. Ouais. Chaque fois je ne sais pas. Je me dis que ouais, ça doit être sûrement plus à gauche. Parce que le truc se unload, mais oh, c'est pas grave. Il me semble que c'est quand même plus rapide que sur mon PB, donc je ne cracherai pas dans la soupe. Juste parce qu'il manque un peu de sel. Bon, allez, vas-y. Vas-y, Jackie. Ok. Ah. Je pensais que je pouvais m'échapper de ça. Limite, faut pas regarder la tour. Ah oui, carrément. Non. Non, c'est... C'est pas du jeu, ça. Je vous déteste tous. Faire ça à la mano, hein. Caméra, carrément. Oh non, mais fallait me donner une deuxième tape là. Allez, allez les gars. Allez les gars, allez les filles. Ça va, il y a deux cœurs ici. Allez, vas-y. Pas le gros. Ça, si le gros fait du déblayage par lui-même, hein, moi je dis pas non. Hein. J'aurais dû me laisser toucher par lui. Là. Moi j'aime perdre mon temps. Ça m'a touché. Ok. On garde son calme, j'ai toujours du temps à gagner là-dessus. Calmez-vous. Je sens que le chat est fébrile là, calmez-vous. Voilà, regarde, lui il va me toucher deux fois. Voilà. Maintenant on ne prend pas les cœurs qui sont par terre. Maintenant, on peut passer en mystérieux. Et voilà, on y est. Comme tantôt, on fait comme si on avait réussi le skip du premier coup. Tout va bien, tout s'est bien passé.
tout va bien. On garde son calme. Je vais tuer les gars là-haut parce qu'ils m'énervent. Ouf, 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 ouf. Heureusement que parfois Alice décide de monter d'un coup comme ça. Voilà. Alors t'as rien vu et je gagne encore du temps, donc ça veut forcément dire que j'ai réussi le skip, non? Moi je vois aucun problème avec ce qui vient de se passer. Hein. Allez les gars, non, pas un câlin, voilà. Les câlins non, les baffes oui. Ah, encore ce glitch. A perfect guest does not overstay. A perfect guest stays home. Que je suis. Ah oui, je suis. Dans ton couple. Mais je suis pas en couple. C'est bien pour ça. Perdu. Ben, c'est pas par là que je suis censé. Ouf. Ok. C'était visiblement pas par là. Où est-ce que je suis allé? Ou alors j'étais dans la bonne direction? Je crois que j'étais dans la bonne direction. C'est juste que ma caméra était pas comme d'habitude, donc je me suis dit que bon. On va le refaire. On va le refaire. Ouais, mais je pense que j'étais dans la bonne direction, mais comme je regardais pas là où je regarde habituellement, j'étais perdu. Et du coup, je me suis dit non, il faut que je revienne sur mes pas, et le niveau a déchargé, je suis tombé. Et là, je me suis raté. Bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et... Oui, très bien, je l'ai réussi du premier coup, mais allez, passons 100 ans là-dessus. Après tout. Voilà. Donc maintenant, je vais par là. Donc j'allais bien dans la bonne direction, je suis juste un attardé. Tout va bien. Non, tout va bien, il n'y avait pas de problème. Enfin si, il y avait un problème de cerveau, je pense. Mais bon. Passons. Allez, deux coups. Ein, zwei, parfait.
Et j'ai suffisamment de points de vie pour la prochaine fight. Mais tout se passe bien en fait. Sauf que je suis tilt de voir le timer qui commence à diminuer déjà par rapport au temps que je pourrais gagner. En me disant, hey, regarde, tu perds du temps, tu sais. Allez les gars, comme tantôt, comme à la répète. 1, 2. Je crois que je viens de faire le combat le plus impressionnant de ma vie. Oh la moule! Oh la chance ultime! J'ai jamais vu. Il gagne à l'euro million sans jouer. Incroyable. C'était incroyable, j'ai tué les floating ruins en essayant même pas de les tuer en fait. J'ai fait d'une pierre 27 coups je pense. Cassez-vous les gars. Oh là là, il faut que je retienne comment j'ai fait parce que là c'était impressionnant. Je dois le dire, je suis impressionné. Toi tu vas tirer, voilà. On sait ce que vous voulez. Allez-vous-en vous. J'ai l'impression que ça va me tirer dessus d'une minute à l'autre. Non? Maintenant peut-être? Ah! S'il te plaît. Okay, it was a bit slow in some parts, but we are good. Unwelcome visitor, return from whence you came. Cease and desist. Go away. There's no reason to proceed. C'est pas assez long ça. Voilà, là c'est mieux. Ça se passe plutôt bien, dirons-nous.
faut quand même se dire que si j'avais pas foiré dans le chapitre 3, on aurait 10 minutes d'avance. Je tiens à le rappeler. Voire peut-être plus. Voire peut-être plus. Which way's up and which way's down? I was gonna say... No prayers. Don't interrupt. If I can't... Go to the lavatory. Maddening. Yes, you are. But what am I? I'll give you... Et c'est reparti. On va se calmer avant de faire des bêtises, d'accord? Vas-y, toi tu peux me tirer dessus. Ça allait vite. Thank you.
Okay, this is nice. Une fois que ça va vite. Par contre, c'est vrai que j'avais oublié que je splittais pas correctement ici. Il faudra que j'améliore ça. C'est long. Ah non, c'est par là que je dois aller. Beach baby, yes. Ok, ça devrait être bon. Salut tout. Thank you.
Oh, what? Incroyable, ça. Je pense que ça ne m'était jamais arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont, les trucs? Défoncé. Bon, je vais split ici, mais normalement, je devrais pas. Évidemment. Qu'est-ce que... Oui, allô? Où est-ce que je suis? Des choses très bizarres qui se sont passées là. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, oui, clairement. Pourquoi est-ce qu'Alice, des fois, elle passe en mode T-pose? Ouf! Okay, ce jeu est bizarre. Ce jeu a une conscience à lui tout seul. Je pense. Trop d'âge parce que je suis pas confiant dans cette zone. Pas confiant sur quelle attaque va me mettre en range, mais il n'y a pas de problème. Puisque tu m'as remis en range. Ah non, plus maintenant. Ok, et je pouvais pas tirer quand même.
ça devrait être bon. Et ça l'est. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Never the first try. Très smooth. Ah. Pas cette force. Oh là là, enfin non, l'angle est pas bon en fait. Voilà. Ça faisait peur. Oh, j'ai pas assez de vitesse. Oh là. Oh. On prend de l'élan et youp là. Voilà. Ok, maintenant, on évite de faire l'imbécile à ce niveau-ci. Hein. Oh non, j'ai touché quelque chose. Il faut que je sois un peu plus sur la gauche. Mais sinon c'était bon, c'était bon, c'était ça. Ah, pas assez haut cette fois-ci. Ah, je sens que je vais reperdre du temps là-dessus. Je vais faire la fight. Je crois que ça vaut mieux. Je vais sécuriser mon temps plutôt qu'être greedy. C'est dans le titre du stream. Ne pas être greedy. Eh vas-y, donne-moi tout ce que t'as. Elle est toujours pas morte, qu'est-ce que c'est que ça?
Mais allô? Madame, faut s'arrêter là. Allô? Bah pourquoi mon arme me disait que je pouvais pas tirer? Quoi? J'ai dit que je voulais pas être greedy et le jeu me récompense en me lâchant des bugs qui n'existent pas? C'est ça? Vous êtes en train de me dire que c'est ça qui se passe? Je les ai toutes, très bien. Oh là là. Est-ce que c'est un moins 12 que je vois? Impressionnant. Moi je dis que si. Ah ah, et tu fais quoi là maintenant, hein? Je l'ai glaché. C'est quoi? C'est un mélange entre glaché et glacé. C'est-à-dire j'ai fait un glaçage qui le clash sur son gâteau. Allô? Ok, j'ai cru que j'étais dans le sol. Prologue sur l'univers. Ça ne me dit rien. Je n'ai aucune idée de qui est ce Pollock. Ou peut-être que si, mais... Ouais, du coup, glaché, c'est un mix entre clashé et glitch. Ah! Ok, je pense. Pardon, my bad. Bon, désolé, monsieur. Je pensais être suffisamment loin, mais visiblement non. Pas dans une direction à angle de caméra intéressant. Merci Jean-Michel Caméra.
Alors on évite la baffe. Cette fois-ci les baffes non. Mais les pichenettes avec deux doigts oui. Devinez qu'il va se tirer une balle dans la tête. Comment est-ce qu'il a pu m'attraper aussi vite? D'habitude ça va pas aussi vite. Ça va. Il faut juste que je garde mon calme. La fight va être un peu longue. Mais... je pense que je peux le faire. Ah, pas le temps de bouger. Bon. On va jouer la sûreté, hein. Hop. Je peux PB facilement. Même faire moins de 20 minutes. Même de faire 2h20, y a moyen. Je conserve mon calme. Je me range sur le côté de la route. Voilà. Lui il est mort. J'ai même un point de vie. Mais je pense que m'attraper ça me tue. Et j'ai réussi à m'en débarrasser, je sais pas comment. Dans tous les cas, je pense que je termine avec la prochaine attaque. Je savais même pas qu'il pouvait m'attaquer lui. Encore en train de repère tout mon temps, c'est magnifique. J'adore vraiment la boss fight quand elle se passe bien. Non mais lâche-moi. Ah. Quelques baffes et on y retourne. Ah mais j'ai assez de points de vie là. Ok. Faut juste que je fasse attention aux mains. Comment est-ce que j'ai récupéré un cœur? Ou alors je l'avais depuis le début.
Oh non, ils m'ont pas touché deux fois. Non, target ça, s'il vous plaît. Pourquoi il faut toujours que je foire un truc de manière monumentale? J'ai combien de cœurs là? J'en ai 3. Comment ça se fait que tantôt j'en avais récupéré? Peut-être que j'avais tué un mob sans faire exprès. Ah, ça doit être ça. Complexe, on peut le dire. Je vais juste me faire toucher encore une fois, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y, vas-y. Pour une fois que je le veux. Pourquoi j'ai esquivé? Pourquoi il m'a attrapé? Je fais n'importe quoi. C'est pas si difficile comme fight. Ah, mais elle va me laisser un goût tellement amer dans la bouche. Bon. Mais c'est une blague. Comment c'est possible de se foirer autant sur une fight? Une fight qui est même pas compliquée en plus. Que je me concentre. Je vais être plus loin d'eux et dash le plus loin possible quand ils commencent à avancer. Voilà, comme ça. Là, c'est bien. Oh la vache. Ok, parfait. C'est bon, cette fois-ci c'est bon, je l'ai. Non, target l'autre truc. Voilà, ça y est, c'est bon. Oh, mamma mia. Est-ce que je peux quand même avoir le sub 2h20? Ah, ça va être au poil de fesses. Mais je pense que je l'ai. Ah, quelle fin, pas difficile, mais débile.